Pourquoi on parle de droite et de gauche en politique? Il y a forcément une raison, et je vais te l'expliquer. Tout commence en 1789, juste après la Révolution française. L'Assemblée nationale venait tout juste d'être créée, et les députés devaient prendre leur première grande décision. Quels pouvoirs seront attribués au roi Louis XVI? Mais la question divise. Les royalistes voudraient que le roi conserve ses pleins pouvoirs, mais les autres préféraient que ce soit le peuple qui décide. Alors au moment de voter, pour faciliter le décompte, les royalistes plus conservateurs se sont placés à droite, et leurs opposants plus progressistes se sont placés à gauche. Et depuis cette époque, ça n'a pas changé. Maintenant, tu sais